Coucou tout le monde. Oups, juste un instant. Et voilà, nouveau shipment. Je vais ouvrir. Je crois que c'est un Temu parce que j'attends pas grand chose chez AliExpress. Donc on va ouvrir ça. Mes commandes. Et oui, donc, c'est celle-là. J'ai des trucs pour le scrapbooking dedans. Ça, attends un petit peu, je vais l'ouvrir. Et voilà. Ça, c'est comme des post-it, mais à grandeur. C'est pour pouvoir faire mes caches quand je fais des tamponnages. Donc, c'est... Yep, là, c'est très collé. J'espère que ça ne collera pas de même sur le papier. Et... Seigneur. Attendez un petit peu. Je pense que c'est juste le début qui est collant de même. J'espère. Seigneur. Ah, bon, j'arrive. OK, on l'a eu. Donc, ah oui, c'est beaucoup moins collant. C'est un petit collant très, très délicat. Donc, ça, c'est pour faire mes tamponnages découpés autour pour pouvoir faire des caches. Et ça, ça m'a coûté $3.38 avec le support. Et je suis supposée avoir un ruban de plus et autre. Et le ruban supplémentaire m'a coûté $2.48. Donc ça, il appelle ça sticky note. J'ai, la semaine dernière, je vous ai montré que j'avais reçu un dévideur pour ruban, pour ruban adhésif. Donc, j'en ai un autre. Oui, il est rose. Oh, j'ai eu peur. Oh, il est beaucoup plus lourd celui-là. Je pense que je vais l'aimer beaucoup. Donc, ça. Je vais mettre ça, mais c'est pas lui qui va rester là-dedans. Ah, OK, il y en a deux. Je trouvais que c'était gros aussi. Et voilà. Donc, un autre dévidoir. Il n'est pas le même rose que celui de cette semaine et il est plus lourd. Il ressemble à mon ancien. Donc, là, j'en ai deux. Merveilleux. Comme ça. Et ça, c'était... Oh, 6,92. Mais, j'en avais besoin pour une autre sorte de ruban. Après, petit dice. Un dice pour faire une ouverture. Comme sur les boîtes de papier parchemin et compagnie, on tire et ça ouvre la boîte. Donc ça, c'est pour faire des cartes spéciales. Et ce dice m'a coûté $1.98. Ici. Ah, ça c'est pour mes petites filles. Oui, parce que pour les anniversaires, j'ai commandé tout de suite des ongles. Mes petites filles adorent faire des ongles. Mes petites filles de cœur, naturellement. Oh, ça c'est un truc lingerie, madame. Ouais, ça m'arrive des fois.
Encore des collants pour les ongles. Ah ah, ça. Ah, c'est pas ça que je voulais juste les anneaux. OK. C'est les anneaux comme ça que j'avais besoin et je les pensais plus petits. Donc, ah, mais j'en ai des petits dedans. OK. Il y en a des plus petits. Mais c'est encore plus petit que ça. Mais c'est pas perdu, ça. On s'en sert toujours, toujours. Et. Ah, c'est ça, de 4 à 14 mm. OK. C'est bon. Et ça venait ensemble les œillets et les rondelles. Est-ce que j'en ai un autre? Oui, c'est ça. Ici, sont plus grosses. Ici, c'est des 5 mm. Là, c'est des 4 mm. En fait, moi, je pense que c'est des 2 ou 3 mm que j'aurais besoin. Mais c'est pas grave. Donc, pour les deux, ça me revient à 6 $. J'ai un tampon. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. OK, phew. Ah, parce que la semaine dernière, j'ai reçu ce tampon. Celui-là. Et j'ai des trucs qui reviennent comme parfum la violette, mais en plus gros. Reste à payer. Ici, j'avais un reste à payer. Reste à payer. 107 la chapelle. Ici, 107 rue de la chapelle. Donc, il y a plein, mais note importante, registre, grand magasin. Il y a des trucs qui ne se retrouvent pas là-dessus, mais qui sont sur celui-là. Et c'est en plus gros. Donc, c'est quand même bien. C'était 2 $. Donc, c'est quand même pas exagéré. Après, autre daise. Des petits papillons. J'ai des tout petits comme ça que j'adore. Et là, il était à 1 $. J'ai dit, oh, on prend. On prend, c'est des petits papillons comme ça. Juste le détour. Puis ils sont plus gros que ceux que moi j'ai, donc c'est parfait. Ici, c'est pour faire des... Vous savez, j'ai fait des trucs comme ça pour mettre... quand je fais des fermetures de bricolage. Et là, j'ai vu qu'il y en avait des toutes faites. Et c'était pas cher, pas cher, pas cher. Donc, j'ai commandé deux styles. Ça, c'est le premier. Et l'autre, je vais l'avoir dans la prochaine commande, je crois. Parce qu'il n'est pas dans celle-ci. Non. Donc, c'était 3 $, ça. Mais j'ai des fleurs. J'ai des petits trucs comme ça. Comme ça, mais plus petit. Et dans l'autre que j'ai commandé, il y a des trucs comme ça. Mais vous allez voir, je vais vous le montrer quand je vais le recevoir. Donc, ça. C'est déjà la fin? Oui. Ça ressemble... Ouais, ça, c'est d'autres ongles. Parce que je trouvais ça drôle d'en avoir reçu juste un. J'ai deux petites filles de cœur, mais pas juste une. Merveilleux. Donc, c'est des ongles. C'est pour ajouter dans leur cadeau de fête parce qu'ils aiment vraiment ça, se faire les ongles, ces enfants-là. C'est spécial. Et voilà. Donc, ben, c'était ça le gros haul finalement. Des ongles, des collants pour ongles. Très important quand on commande des faux ongles. Ce tampon. Celui-là. Celui-là, c'est celui de la semaine passée. Celui-là, c'est celui de cette semaine. Quand même, il est beau. Très beau. 1906, juillet 1906. Je pense que cette date-là, je ne l'ai pas. Je
sur l'autre. Non. Donc, il y a des trucs qu'il y a, puis il y en a d'autres qu'il n'y a pas. C'est merveilleux. Bon, ben, je suis bien contente. Franchement, quand même, c'est un beau haul. Et ça, j'ai hâte d'essayer ça parce que ça va être pour mettre pour faire mes... J'ai vu ça, je sais pas c'est où. C'est une vidéo. Puis j'ai dit, ah, la bonne idée. Je crois que c'est Aurélie. Aurélie, si vous connaissez pas, c'est une chaîne qui a fait beaucoup de cartes. Puis elle a des bonnes idées. J'aime beaucoup regarder sa chaîne. Donc, très génial. J'ai hâte d'essayer ça. Ben écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.